Oh là là, quelle chute à 45 km de l'arrivée. Une chute énorme au sein du peloton. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à terre là. Et c'est souvent dans ces moments de course où on est un peu moins concentré que ça arrive, ce genre de chute. Falloir démêler tout ça. Déjà. C'est un mi-cadeau. Hein. Là, on a énormément de vélos au sol, énormément de filles au sol hein, également là. Ouais. Certaines concurrentes là, qui se tiennent le bras. Le col Wahou touché. On revoit ce qui s'est passé sur cette chute. C'est tombé plutôt dans la première partie du peloton il y a quelques instants. Une grosse chute à l'avant et derrière, on est tombé en cascade dans ce peloton. Ouais, on a vu Sandrine Bidot hein, qui est arrivée en dernière. Bon, elle ne s'est pas fait trop mal. La route pourtant ne présentait pas de réel danger, on l'a dit. Hein. C'est sur une grande ligne droite. Ça a dû s'accrocher, toucher la roue d'une fille qui est juste devant. La porteuse du maillot blanc notamment, la Julie Devilleux qui a été prise dans cette chute. Sandrine Bidot, vous l'avez dit, énormément de concurrentes. Toute la formation du Col Wahou quasiment qui était plutôt à l'arrière, à l'image de Mike Van Der Deuil notamment.